Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo 3T. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'avais envie. Il fait chaud, j'ai mis le ventilo, donc j'ai remarqué que ça faisait du bruit dans la vidéo, on entend. Alors j'ai pris un bout de carton. Pizza Sodebo. Je vais faire tout debout. Je vais voir combien ça mesure ça. Non, c'est trop court, donc je suis obligée de faire comme ça. Ça fait donc 12 sur, pousse-toi, 13,5. Je regarde où le carton n'est pas abîmé. 12 sur 13,5. 13,5. Si je vous dis pas, il fait 39, là, je crois. Et pareil, demain ça s'arrête, j'espère, parce que franchement, ras le bol quoi d'être enfermé dans le noir. Merci, hein. Faut bien être gentil. J'ai l'impression d'avoir fait ça droit, moi, mais pas du tout. C'est un peu là quoi. Bref, je vais faire ça. Je parle ce ciseau. Hop, on va prendre ça. Ah bah ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire au ciseau. Alors, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai dit au ciseau, mais en fait je coupe pas droit, donc c'est pratique. Et là j'ai envie de faire un petit truc vacances quoi. Hein. Un petit 3T vacances. Aquacard, bah oui, je voulais en faire une, mais j'ai pas reçu mes tampons quoi. Le truc AliExpress que j'ai commandé, puis c'est vraiment assez long. Hein. Franchement, voilà, je vais mettre un petit papier que j'ai trouvé là. Un petit papier à petit pois. Rose à petit pois blanc. Là, pareil. Je viens couper. Vous voyez, ça c'est quand j'ai rangé un peu mon bureau. Je retrouve des bouts de papier et ça fait l'affaire. Voilà aussi, hein, c'est pas droit du tout. C'est pas spécialement droit. Hein. Ça c'est sûr. Bon, je vais coller et puis on verra. C'est pas où te mettre, hein. Bonnie, elle en a ras le bol parce qu'elle aime pas du tout la chaleur. J'entendais Elise, Lise de Tepascrap, sa chienne, elle aime bien la chaleur, elle se met au soleil. Ah bah, pas Bonnie, hein. Ouh là là là. Pas du tout. Elle, même si on va sur un banc ou quoi, elle creuse la terre pour se mettre sous le banc. Ah non, elle aime pas ça. Hein. Bon, j'essaie de tout bien couper droit parce que c'est la cata. C'est la cata. Alors, le store est baissé, donc là, c'est des lumières. Je sais pas si on verra bien, quoi. Je ne sais pas. Bon, je vais peut-être couper tout ce qui dépasse. Oh là, si bon, si ça le fait pas, quand ça le fait pas et que c'est pas très très joli, vous venez ancrer et ça passe. Vous voyez, c'est pas trop trop beau, hein, vous êtes d'accord. Hop, et là. C'est pas dit qu'il soit beau mon truc, hein. Je dis tout de suite. Ah, je préfère vous le dire. Alors, je sais pas. C'est pas un beau rose, ça. C'est pas un très très beau rose, hein. C'est rose, fort du trône, hein. C'est pas spécialement beau. Je vais faire une carte aussi, je sais pas si je la fais dans la foulée.
Mais faut que je fasse une verte. Après, j'avais vu avec ces petits albums là, je les trouve mignons. J'avais vu. C'est vieux hein, ça. J'avais vu ça, j'aimais bien Summer là. Petit parasol. Ça peut être mignon. On va le mettre. Les cartes, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. D'accord. Les petites lunettes sont très mignonnes. Ah bah elles sont là. D'accord. Peut-être ta petite. Ah bah non, faut les découper. D'accord. Je regarde ce que j'ai d'autre. Il y avait le petit marchand de glace. D'ailleurs, j'ai une découpe. Je sais plus de chez qui, j'ai commandé ça. Il y avait les valises, c'est très mignon. Bah ça j'aime bien. Je regarde ce que je peux mettre d'autre. Pas de relief. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure où la personne mettait de la dentelle. Mais bon, bah après, quand on coupe la dentelle, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Ça risque de se déchirer. Non, tout ce qui est chose tissu et embellissement en épaisseur, bah vous venez les mettre après, quoi. Tiens, on va faire comme ça. C'est pas grave, comme ça, mon petit smile, je le mettrai dedans. Il y a encore Philippe qui joue à ses jeux et il parle trop fort. Il a un casque, ça fait que je peux dire ce que je veux, il m'entendra pour voir de toute façon. Smile, voilà. Ensuite, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait vachement plaisir, je m'y attendais pas. C'est vraiment... ça fait plaisir, quoi. Voilà, je mets par exemple tout ça, d'accord, ça c'est ma base, on va dire que c'est la base, hop, dégage, voilà, j'ai mon petit truc comme ça, et après je vais venir le découper en trois parties et je viendrai broder après. C'est ça que j'ai trouvé là chez Action, je les ai pris, je trouvais ça vachement mignon, les petites perles translucides. Là, on voit pas bien hein. Des petites perles translucides. Je trouve ça très mignon. Ça, c'est ce que Virginie m'a envoyé. Je les ai mis là. Et une autre fois, j'avais trouvé ça, là. Parce que moi qui adore les carreaux comme ça, là, le Vichy noir et blanc, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis commandé un tampon Vichy noir et blanc sur AliExpress. Alors, je l'aurai, je pense, fin août. Hein. Mais voilà. Donc là, j'attends que bien, bien, ça sèche. Ça, il y en a marre, c'est bon. Moi, vous voyez, ça, c'est ma survie. Ça, un pchit avec de l'eau et ventilateur. Kit de survie. Parce que sinon, c'est pas tenable. Même la chienne qui n'aime pas l'eau, elle n'aime pas. Hein. Eh ben, elle supporte là. Là, elle dit rien du tout. Voilà. Et puis là, je vais venir faire mes mesures de 4 cm. Donc, un trait à 4 cm et un autre à 8 cm. Comme ça, j'aurai mes 3 tags. Par contre, là, je pense, mais je sais pas où il est, mon... Ah, il est là-bas, mon massicot. Ça va être galère à le prendre. On va essayer quand même. Oh là là. Voilà. Et on va essayer de venir couper ça. J'ai une guillotine aussi. Hein. Ça sera peut-être mieux d'ailleurs, mais bon. Attendez, hein, parce que là, je viendrai, c'est pas grave, réentrer par la suite. C'est vrai que je commande une encre rose Versafine parce que bon, c'est mal fait, mes traits.
soeur. Ouais, je change les lames parce que. Elles ne coupent pas comme avant. Hein. Donc, vraiment, que je coupe, que je viens de couper ça parce que là, non, vous voyez, ça n'a pas coupé de l'autre côté. Bon, ben, on va faire ça avec cutter et puis c'est marre. Hein, on va pas s'embêter la vie puisque ça. Ça ne mérite pas ça. Même là, bon, il y a le ventilo, mais comme il fait chaud, l'air est chaud, l'air ventilé n'est pas spécialement frais. Hein. Voilà. Même là, hein, là c'est même pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. 4. C'est là. Voilà, ça n'a rien à voir. Apparemment, il est là, le trait de 4. Ah ouais, mais j'avais commencé. Ah bah tant pis, on va voir. On va faire comme ça, c'est pas très grave. Hop. Hop. Alors, ça casse ou ça passe? Ah, c'est les papiers avec la colle, ça coupe moins bien. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir mettre un peu d'encre. Là, pareil. Hop. Là. Et là. Après, je vais faire mes trous au milieu. Pas à 2 cm à chaque fois. Mais à l'œil, on voit. Il n'y a pas besoin de prendre des mesures non plus. Hein. Faut pas exagérer, hein. Voilà ma pince magique. Décoré. Hein, je pense que. Je pense que ça le fera, mais je sais pas avec quoi je vais décorer, mais je vais décorer. Des petites perles, je regarde toujours ce que j'ai dans mon petit. Les petits fouillis là. Je vais regarder et je vous retrouve. Non, je suis pas spécialement inspirée, hein, mais bon. J'ai pris un petit Bratz Love là. Et je vais coller là. Ça, je voulais mettre ça, mais vous voyez là, vu que c'est haut là, derrière, c'est trop épais. Je vais mettre ça par-ci par-là, c'est mignon. Ils sont beaux ceux-là. Je voulais mettre aussi un peu peut-être de la brillance, ça va avec les petits gels. Là j'ai un petit pompon que je viendrai mettre. Et est-ce que je mettrais pas un peu de brillance? Un peu de brillance. Parce que là, je sais pas, je trouve un petit peu fados. On va voir si on peut mettre un peu de truc comme ça. Je me demande si dans le temps ça sèche ça ou pas. Moi par contre c'était juste pour un petit pinceau là. C'était
C'est juste un peu pour l'étaler, quoi. Vous voyez? Je sais pas, on met un peu sur le nuage. Ah, ça va coller, hein, donc c'est pas possible. Ah, bah c'est pas possible. Vous voyez, mettre des fleurs, ça me branche pas. Ça me branche pas spécialement. J'ai cherché une épingle à nourrice. Dans tout mon bazar. Peut-être une argent. Essayez de glisser le pom-pom. Et puis voilà. Je vais finir faire peut-être des petits dots là avec le brillant là, mais comment dirais-je? Je vais le faire après parce que je suis pas sûr que ça ferme. C'est épais mes cartons. Il est pas foufou celui-là. Hein. Franchement, peut mieux faire. Mais il fait chaud. Voilà, ça peut expliquer la chose. Voilà les amis, c'en est tout pour mon petit 3T. C'était pour refaire avec vous. Je trouve que j'ai été extrêmement longue à le faire. En même temps, je disais les images c'est joli, mais en fin de compte, c'est peut-être mon fond qui est trop fade. Possible. Vous voyez ? Pour mettre un peu des trucs un peu relevés pour que ça pète à l'œil, quoi, parce que sinon c'est un peu fados, quoi. Et moi j'aime pas trop quand c'est fados, vous voyez, j'aime pas quand c'est non plus pétard, fluo, truc comme ça, mais il y a un milieu, voilà, il y a un juste milieu. Voilà les amis, je vous fais à tous de gros bisous. Je vais peut-être faire une carte, je vais aller boire un coup déjà, et puis je vais peut-être faire une carte bien que je sais pas parce que j'ai pas l'air spécialement inspiré. Bisous bisous, bye bye.